Bonjour à tous, Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est lundi 14 mars, je crois. Voilà. Donc, l'infirmière vient de passer. Mais je vous reprenais un petit peu suite à la vidéo de ma copine Elodie, une grille de la lectrice, où elle parlait de sa psychanalyse, son mal-être. Son addiction alimentaire, on va dire ça comme ça. Et en fait, je me rends compte. J'avais tourné une vidéo par rapport à ça, où c'était très très douloureux pour moi d'en parler, et c'était cet été. Et finalement, j'ai décidé de ne pas la publier, puisque ça rentrait. Je me suis trop confiée en fait dans cette vidéo et à un moment donné je me suis dit je veux pas faire du tort à certaines personnes qui pourraient se sentir blessées alors que c'est pas ce que je veux. En fait, il faut savoir que depuis mon adolescence, je crois, j'ai des troubles du comportement alimentaire. J'ai été boulimique, voilà. C'est-à-dire que je mangeais pas au point de me faire vomir, c'est simplement que je mangeais, je me faisais vomir. Voilà, clairement. J'ai un réflexe. Enfin, maintenant, honnêtement. C'est dur d'en parler. Ça m'arrive encore. Voilà. Donc, ça et tout. Je sais que Chéri aime pas quand je lui dis ça, parce que pour lui. Mais il est épais comme ça, et voilà. Il se rend pas bien compte, mais le regard des autres est compliqué. Faut savoir que j'ai une maman qui est, utilisant le terme, obèse. Elle l'a pas toujours été, hein. Voilà. Mais comment vous expliquer? Je l'ai toujours vu être en régime pour essayer de perdre du poids, pour essayer. Sauf que de base, il faut savoir que quelqu'un qui est gros, c'est Piquity Bouquin, je crois qu'il en a parlé dans sa dernière vidéo que j'ai regardée. Et c'est pas parce qu'il mange tout le temps, en fait. Clairement. Voilà, il y a plein d'autres problèmes qui se greffent dessus. Et l'histoire de vie de la personne joue beaucoup. Et voilà, et je veux dire, à un moment donné, alors ma mère a réussi à perdre du poids, mais elle reste quand même en surpoids, hein, largement. Mais elle a eu une époque où elle était vraiment, vraiment bien plus grosse que ça, utilisons le mot. Sauf que ma mère, à l'heure actuelle, quand les gens regardent toujours, enfin voilà, les gens connaissent pas, elles se permettent toujours de juger, ça me saoule. Je veux dire, ma mère est diabétique. Elle a des piqûres qui lui donnent envie de vomir, des nausées toute la journée. Elle fait un repas par jour et elle maigrit pas. Enfin, je veux dire, c'est simplement que son métabolisme est comme ça. Donc à un moment donné, à part ne plus bouffer et même en ne mangeant plus, je suis pas sûre que ça changerait les choses. Moi, au final, alors après, je sais très bien que j'ai perdu énormément de poids quand le père de ma fille m'a quittée. Du coup, j'étais toute contente hein, parce que j'ai mis beaucoup de temps à. J'avais fait des régimes, j'avais perdu, repris. Et j'étais très contente de moi parce que. Mais sauf que, par contre, là, pour le coup, je ne mangeais plus. J'étais à un stade où je ne mangeais plus rien du tout. Voilà. Donc, faut se dire que. Et ce que je mangeais repartait direct aux toilettes. Voilà. Donc c'était pas non plus une solution. Alors il faut savoir que moi, quand voilà, j'ai des déceptions sentimentales, on va dire ça comme ça, enfin, quand on me quitte ou quand je suis pas bien sentimentalement, généralement je perds du poids. Voilà. Parce que je mange plus. Mais quand je vais bien, eh ben je reprends. Mais quand je vais mal, je mange aussi parce que je mange mes émotions. Et de toute façon, mon conjoint ne supporterait pas que je ne mange pas. Parce que voilà, pour lui, voilà.
je suis comme je suis, et puis le reste, il s'en fout. Mais moi, je suis mal dans mon corps. Clairement, j'avais repris 3-4 kilos depuis qu'on était ensemble, mais je travaillais tout ça et c'était pas, enfin, ça me gênait pas, en fait, au final. Sauf que ben, c'était un contrat aidé en fait d'un an. Et donc du coup ce contrat s'est arrêté donc en tout début décembre 2020, 2019, pardon. Et donc après on a eu les confinements où j'ai beaucoup plus cuisiné avec ma fille, fait des gâteaux, fait de la grande cuisine. Faut savoir que j'ai un conjoint qui est lui extrêmement maigre à côté de moi. Voilà, donc du coup, bah, lui peut se permettre de manger tout ce qu'il veut et je vais jamais le priver, heureusement, parce que voilà, sinon le pauvre. Et du coup, bah, en fait, je mangeais comme tout le monde, j'ai pas fait attention, je bougeais moins, du coup, puisque je ne travaillais pas. Et le fait que je ne travaillais pas, ça m'angoissait, et le confinement, le Covid, tout ça m'a angoissée aussi. Enfin, c'est un cercle vicieux, plus plein d'autres problèmes, puisque c'est des choses dont je ne parlerai pas ici. Mais clairement, il n'y a rien de simple dans notre vie. Et quand je vous dis il n'y a rien de simple, c'est clairement, il n'y a rien de simple. Et au final, voilà, j'ai repris du poids, j'ai repris du poids, j'ai repris du poids. Et là, tel que vous me voyez actuellement, en comparaison à un moment donné sur ma chaîne, alors ça se voit pas énormément parce que malheureusement j'ai beaucoup de kilos en trop, mais j'ai été jusqu'à 10 kilos de plus. Voilà. Là, clairement, bon après il y a eu l'opération, le fait que j'ai retravaillé, je suis en plein déménagement, je me sens mieux dans ma tête là actuellement, alors même si je suis clairement exténuée. Parce que grippe, angine, Covid, gastro, opération, plus déménagement, préparation de mariage, et plus tout ce dont je ne vous parlerai pas ici, puisque ça relève de ma vie privée et qui sont très compliqués à gérer, et ben à un moment donné, fait que je suis exténuée, mais clairement dans ma tête, je vais mieux. Voilà. N'empêche que j'ai encore des moments, là vous voyez, je viens de me prendre un café et l'infirmière vient de passer, j'ai eu très mal et j'ai pas dormi, enfin quasi pas dormi cette nuit parce que j'avais très mal. Et donc la fatigue plus le stress avec le déménagement qui arrive bientôt et j'arrive pas à faire ce que je veux. Je stresse parce que je suis pas au boulot, parce qu'il y a tellement de trucs à côté qui font que j'avais envie de bouffer. Mais je me suis dit, fais-toi un café. Voilà. Voilà, donc je vais prendre mon café tranquillement pour éviter d'aller manger derrière. Et surtout qu'il est 11h30, bientôt l'heure de manger. Donc je peux largement attendre. Mais c'est juste parce que des moments, j'ai des poussées d'angoisse. Et voilà. Et pas que ça, parce qu'en fait, on se dit, oui, tu manges tes émotions, mais même quand je suis contente, en fait, je vais manger. Parce que voilà. Parce que c'est pas que quand on va mal, en fait. Malheureusement, c'est un comportement qu'on a à vie. Donc voilà, donc après, je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas. Ben ouais, si vous n'avez pas de problème de poids, si vous n'avez jamais eu, si vous n'avez pas ces troubles-là, ben clairement, vous savez pas de quoi je parle. Le fait de me faire vomir, ça m'arrive encore. J'ai des choses qui sont passées dans mon enfance, dans ma vie adolescente, dans ma vie adulte, qui font que j'ai des. Et comme tout le monde, parce que je ne suis pas la seule, enfin, qui laisse des traces, je suis tombée aussi sur des personnes qui ne m'ont pas aidée. Je ne vais pas jeter la pierre à mon ex-mari, mais il ne m'a pas aidée là-dessus, puisque j'ai été à un stade où, quand j'avais pris du poids, et c'était pas catastrophique, hein, loin de là, parce que quand je me dis j'avais pris du poids, mais c'était pas, j'étais pas énorme, hein, voilà, clairement, hein. Mais il faut savoir que j'étais sous traitement hormonaux aussi pour essayer d'avoir ma fille pendant des années. Et en fait, qui vous fait le culpabiliser tout le temps. Alors, voilà, si un jour tu regardes cette vidéo, Benoît, je suis désolée, mais tu m'as jamais aidée. Hein. Voilà. Ben, c'est que j'en étais au point de planquer des trucs
pour manger. Enfin, le comportement était là. Et je me faisais, par contre, après, j'allais me faire dégueuler, clairement. Mais ouais, pour pas qu'ils se rendent compte, parce que j'avais le droit aux réflexions. Ouais, mais tu vas ressembler à une baleine. Ouais, mais regarde-toi. Mais de toute façon, si un jour t'es comme ça, je te quitte. Enfin, voilà. C'était ce genre de réflexion, hein. Enfin, voilà. Et je pense, je sais même pas s'ils s'en rendaient compte, en fait, hein. C'est juste qu'il est comme ça. Mais le mot baleine, faut se rendre compte que je l'ai pris dans la gueule un nombre incalculable de fois. Voilà. Donc oui, je suis une baleine, si tu veux. Voilà. C'est comme ça. Je suis comme je suis. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est la même. Hein. J'ai de compte à rendre à personne à part à moi-même, en fait. Mais j'ai envie de vous dire, bah, c'est pas comme ça qu'on vous aide, en fait. Le jugement des autres, quand les autres vous regardent, ben, et clairement, je suis trop grosse, mais il y a des gens bien pires que moi et qui, mon Dieu, doivent vivre un enfer, quoi. Ne serait-ce que le regard médical, hein. Voilà. Hein, moi, je l'ai vu, ayant été stagiaire, infirmière. Les chirurgiens qui reçoivent une personne obèse sur la table, faut voir le discours qu'ils tiennent. Voilà, j'ai envie de vous dire, regardez-vous quoi. Voilà. C'est pas parce que t'es chirurgien, t'es pas tout puissant, hein, clairement. Et enfin, les réflexions dans le bloc opératoire quand la personne est dehors, c'est facile à faire. Voilà. Aparté terminé. Voilà. Je l'ai vécu en tant que stagiaire. J'étais mince à l'époque, hein, donc voilà. Mais sur une personne, ben ouais, ben, elle était comme elle était, et moi je l'ai pris très mal parce que je me dis merde. Enfin voilà, ma mère, elle est passée plusieurs fois au bloc. Alors c'est le genre de réflexion que vous faites? Et enfin voilà. Enfin je veux dire, à un moment donné, votre physique, ça n'enlève pas la personne que vous êtes, en fait, clairement. Donc ouais, il y a des choses qui font très mal. Il y a des choses, les gens devraient réfléchir un peu avant de parler. Parce que déjà d'une, d'où toi, en fait, on va te dire que toi, t'es gros, t'es trop mec, t'es ceci, t'es cela. Voilà, enfin je veux dire, de toute façon, déjà de base, personne ne s'aime vraiment, en fait. Parce qu'il y a toujours un truc qui nous dérangera. Donc, et moi, j'ai aussi un truc, c'est que je me sens jugée tout le temps. Voilà. Après, c'est comme ça. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je peux vous assurer, par moment, je suis dans ma voiture. Ou dans mon lit, ou peu importe, ou dans ma cuisine. Et je repense à un truc que j'ai fait, et je me dis, oh, mais ça se trouve, là, je me suis tapé la honte. Ouais, mais qu'est-ce que les gens, ils ont pensé de moi et tout. Et je suis là comme ça tout le temps, en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Et après, il y a tellement de trucs. Enfin, il y a les problèmes à côté, il y a les. Je veux dire, moi, je ne peux pas me permettre de juger. Donc après, Elodie, je comprends tout à fait ce que tu vis. Moi, je suis pareil, je suis pas quelqu'un qui a des tonnes et des tonnes de copains, de copines. Alors, si on a des couples d'amis, mais je suis pas quelqu'un qui sait me confier. Déjà, même la dernière fois, j'ai parlé avec l'infirmière du boulot, parce qu'à la base, je la voyais pour mon dos, hein, pour mes problèmes de dos. Et bah, du coup, tout est sorti, parce que je pense qu'il fallait que ça sorte. Mais moi, je vois la personne une fois, je veux pas la revoir deux. Hein. Clairement, hein. Il lui dit, j'ai sorti le truc que j'avais besoin de sortir, ça me soulage sur le moment, puis ça s'arrête là. Et je ne prendrai pas de médicaments, je me refuse à prendre des médicaments. Voilà, clairement, je peux vous dire que j'ai très mal en ce moment, avec mon truc. Je prends quasi pas de cachet, parce que je ne veux pas. Je ne veux pas m'habituer au cachet, parce que les cachets, en général, ça me donne mal à l'estomac. Ça me... Voilà, même le dafalgan codéiné, ça me fait planer. Hein, vous dire, je ne supporte pas les médicaments. Donc, de toute façon, les seuls traitements que je tolère, c'est pour mes allergies, que je prends quand vraiment je suis en crise, ou pour mes migraines. Voilà, ça s'arrête là. Et les seuls traitements que j'ai suivis au long cours, c'était des traitements pour avoir ma fille. Mais je pense que j'en ai pris déjà bien assez comme ça. Voilà. J'ai eu des périodes de dépression, j'ai eu des périodes de pas bien et tout. On m'a prescrit des trucs, hein. Je les ai pris 2 jours. Parce que je ne veux pas me prendre de traitement. Mais même pour mon dos, en fait. On peut me prescrire des médocs, je ne les prends pas. Voilà, c'est comme ça. Je suis dans le médical, je sais. Enfin, j'étais dans le médical, mais moi, pour moi, les médicaments, c'est pas la réponse à tout. Il y a des choses que je dois puiser en moi pour réussir à surmonter plein de choses, et puis à affronter, parce qu'il faut malheureusement, ce monde, ben, il faut l'affronter, hein.
Je sais que Ingrid, quand tu dis voilà, que le Covid, finalement, si tu avais pu ne pas retourner dans le monde. Alors moi non, parce que j'aime travailler, parce que voilà, parce que je suis quelqu'un de sociable en plus, hein. Mais alors je suis quelqu'un de sociable dans ma bulle. C'est-à-dire que j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien voir du monde, machin et tout. Mais clairement, les week-ends, j'aime bien être toute seule chez moi, prendre un bouquin, lire. Avec ma famille, hein, les enfants autour, mon conjoint, machin et tout. Qu'on voit mes parents, mes beaux-parents et tout ça, c'est pas gênant. Mais déjà ado, en fait, de base, j'étais quelqu'un, plutôt que de sortir avec les copains et les copines, j'aimais bien être toute seule. Voilà, moi j'ai des souvenirs de moi me mettant dans le fauteuil, ma maman dans le canapé, mes frères allaient jouer dehors et tout. Et puis en fait, moi, mon plaisir, c'était, je me mettais. Et on discutait avec ma maman parce qu'on discutait de nos livres, elle lisait, je lisais, et voilà, enfin. Et j'ai vu des fois décliner des trucs avec des copains parce que j'avais pas envie, j'ai envie de lire, quoi. Hein, voilà. Donc. Mais ouais, je suis quelqu'un de sociable et j'aime bien sortir, faire la fête avec des copains, j'aime bien. Mais. J'ai toujours cette espèce de truc, mais de toute façon, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Voilà. Et. Me dire que finalement, si je reste à la maison, je prends pas trop de risques et. Et voilà, là je suis pas jugée, je suis à la maison. Donc ouais, c'est compliqué. Après, il y a plein de choses. Je pourrais en parler avec ma mère, je lui parle déjà de plein de choses, mais il y a des choses, je ne veux pas la faire souffrir parce que je sais qu'elle le prendrait pour elle et elle est déjà assez angoissée comme ça, avec plein d'autres choses qui se passent dans sa vie. Et voilà. Et c'est comme ça. Donc voilà, donc bah, c'était juste pour vous dire ça. J'ai pas envie de m'étaler plus. Et puis de toute façon. Voilà. Hein, la vie fait que bah, faut apprendre ses démons, faut vivre avec. C'est pas toujours simple. Mais c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Vous inquiétez pas, ça va. Hein, même si, voilà, je suis clairement pas très présente. Et puis là, j'ai envie de vous dire avec le déménagement. L'opération. Et puis j'ai beau dire, j'arrive pas à aller les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. J'aimerais bien faire comme toutes mes copines et tout, mais j'ai pas la niaque pour faire ça. Et puis je sais qu'en plus là, on va aller dans un endroit où on aura encore moins d'internet. Donc voilà, sympathique, hein. Donc je pourrais faire des trucs au boulot et tout, mais. Mais voilà. Donc je sais pas. Je sais pas. On va arrêter là. Allez, parce que sinon. C'est pas cool. Bref, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. C'est pas une vidéo très gaie, je suis désolée, mais vous inquiétez pas. Voilà, je vis avec depuis longtemps. C'était plus pour Elodie, tu te rendes compte que t'es pas toute seule. Qu'on a tous des choses qui nous font souffrir dans la vie. Que voilà, moi, ne serait-ce que le deuil de pas pouvoir avoir eu d'autres, enfin, avoir d'autres enfants. Clairement, ça a été quelque chose à surmonter et qui fait que ça m'a pas aidé sur ces troubles du comportement alimentaire, plein d'autres choses dans la vie, les remarques des gens, des choses que les gens ne se rendent pas compte. Et puis déjà, voilà, je me bats avec moi-même, quoi. Donc, et puis voilà, quand clairement vous entendez d'autres personnes dire, bah, de toute façon, elle est grosse, bah ouais, je suis grosse. C'est comme ça, c'est la vie. Je dois me plaire à moi-même déjà. C'est déjà assez compliqué comme ça. Si chérie m'accepte comme je suis, eh ben tant mieux. Et ça n'enlève rien à la personne que je suis. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je fais plein de gros bisous, Elodie, parce que voilà, je sais que t'en as plein, t'en as besoin. Et voilà. Bye!